Yo les amis, c'est Vito, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Aujourd'hui c'est une petite vidéo hors série, donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors ici les amis, eh bien c'est évidemment encore un mode, moi je suis un friand de mode, j'adore ça les modes, s'il y avait plein de modes, ce serait juste génial parce qu'on découvrirait des choses de ouf. Ici, en quoi consiste ce mode? Eh bien regardez déjà, une petite Ayano, mais qui est en démon en fait, vous pouvez voir avec les yeux et tout, je trouve ça super bien fait. On est sur une ancienne version, hein. Regardez ses yeux, c'est vraiment trop stylé quoi, c'est trop joli. Moi j'adore en tout cas, on va le faire rien de particulier, hein. Voilà le rire est toujours le même, c'est pas un rire démoniaque. L'autre particularité de ce mode, c'est que nous avons la possibilité de tuer Senpai avec des armes, et ça c'est juste génial, pouvoir même parler à Senpai. Senpai de d'habitude en fait c'est Budo. C'est Budo qui me fait sa lumière chelou là, tu vois, ça fait trop bizarre. Bon, j'ai essayé de prendre une photo de lui, ça fonctionne pas, enfin en tout cas lui il est complètement bugué et il restera tout le temps devant le casier, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Maintenant on va aller chercher notre petit Senpai. Avant ça je vais quand même prendre une arme pour vous montrer. Tuer Senpai au katana ça va juste être énorme. Alors j'ai juste essayé une fois juste pour voir si on pouvait réellement le tuer, c'est un peu le principe du mode en même temps. Du coup après on sera plaisir, je buterai Senpai de plein de façons différentes, ça va être juste génial, je vais pouvoir enfin me venger de lui et vous venger tous. Alors logiquement s'il a été inversé avec Budo, il devrait être près du club de karaté. Du coup je vais aller voir. Regardez, il y a déjà ses élèves là. Attendez, est-ce qu'il est là ou pas à l'intérieur? Ah non, il est en train d'arriver je crois. Tiens c'est bizarre. Ah il est là. Regardez, c'est notre petit senpai, c'est énorme. Regardez, on peut même lui parler, c'est juste ouf. Attendez, attendez, parce que là il m'a mis un vent là. Vous avez vu, on parle à senpai, c'est génial. Je pensais jamais un jour pouvoir voir cette animation. C'est énorme, je peux même le complimenter. Merde, j'ai pas été assez vite, je peux même le complimenter. Regardez, c'est excellent. On verra pas ça tous les jours. De pouvoir parler à Senpai comme ça, il faut en profiter. Oh merde, pourquoi il se fait ça? Il est assis comme s'il était... Ah mais il devait être à la fontaine à la base. Et lui il est assis devant son club. J'ai augmenté ma séduction pour pouvoir faire tout avec. Est-ce que je peux par exemple rejoindre son club avec lui? Non, hein, vous avez vu, il est comme une personne normale, c'est excellent. Je vais prendre une photo de lui et je vais regarder un petit peu ses informations les amis. Alors, hop, petite photo de notre Senpai qui est foiré. Voilà, j'enregistre ses informations. Ah ouais, on voit Budo, mais il écrit Senpai, No Club, Crush Known, Nality, Loner. Et ils mettent quand même que voilà, il a fondé, bah voilà, c'est la description de Budo, hein, c'est tout à fait normal. Il sait gérer la self-défense, mais quand je l'avais attaqué, bah il m'avait pas contré, du coup on peut faire tout ce qu'on veut avec lui, et ça c'est génial. Pas moyen de rejoindre le club de karaté, vu qu'il est tout bugué là, il est assis devant, il est assis en lévitation, c'est tout à fait normal. Bon les amis, je vais le tuer une fois pour vous montrer, ça va être ouf. Regardez bien, attendez, je vais même activer le mode cinématique pour que ce soit mieux. J'espère que vous êtes prêts, voilà, là il me voit. Et là, paf, je peux attaquer Senpai, voilà, petit coup de katana dans le cou, le senpai meurt. Ce qui est génial c'est que c'est vraiment le cri du vrai senpai, et ça c'est juste ouf. Regardez, je peux le prendre tranquillement, voilà, sans aucune lumière pour nous faire chier, c'est magnifique. Je vais le montrer au vrai senpai, tiens, pour voir si justement il va me choper, pour voir si Budo il va me choper. Oh non, il essaye de me choper, arrête, c'est senpai, c'est pas Budo. Non, oh putain, ah merde, le relou. J'ai bien envie d'aller essayer la petite scie circulaire sur notre senpai, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire. Tuer senpai, on a d'office des solutions pour le tuer en temps normal grâce au mode Cyrano, avant grâce au mode Falcon. Maintenant c'est plus possible, hein, depuis déjà un bon petit moment, mais de le tuer avec des armes blanches ou même la scie circulaire, ça c'est impossible parce qu'il y a sa lumière qui nous bloque à chaque fois. Là j'ai hâte de voir Senpai se faire buter par la scie circulaire, ça va être énorme. Mon petit senpai. Là nous avons des garçons qui sont en train de faire je sais pas quoi. Ils sont un petit peu proches ces deux là, hein. À la vie, il se passe quelque chose tu vois. M'excuse si ma voix est peut-être différente, mais je tourne cette vidéo là vraiment très tôt le matin. Du coup voilà, c'est pour ça que ma voix est un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas trop. Ah mais il est là notre vrai senpai, regardez. Hop, voilà, je le tue à la scie. Vous avez vu sa tête, c'est énorme. Je vais essayer de le démembrer en plus de ça. Voilà, en plus on est en démon, on fait trop flipper. Vous avez vu les yeux et tout, c'est énorme. La tenue aussi est différente si vous l'avez remarqué. Excellent, on a buté notre petit senpai. Je vais prendre sa tête. Démembrer aussi c'était possible. Ah, vous avez vu ses yeux, ils sont rouges. Attendez, on voit pas bien. Je vais essayer de bien vous montrer. Hop, grave flippé ses yeux. Pas que moi qui étais un démon, je pense. Hein. À mon avis, Senpai, il l'était aussi. Il y a la prof qui m'a vu, je crois. Ouais, la prof m'a vu. Merde. Et non, tu m'auras pas. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore se téléporter. Et ça, c'est génial. Du coup, Midori, je peux pas à la tête de Senpai. Vous avez vu, Midori, elle ne réagit absolument pas. Elle était tellement aussi passible avant. Je peux lui parler à Midori. Ah non, je pouvais même pas lui parler à Midori. Là seulement, elle a peur. What the fuck, la Midori de l'époque, elle était vachement buggée. Avec la tête de Senpai sur moi. Je me rappelle plus que Midori ne bougeait pas comme ça. Alors, j'ai envie de tester le petit tournevis. On va tout essayer. De toute façon, on est là juste pour se venger de Senpai. Toutes les fois, il nous a fait chier. Ça en cachette, vous savez quoi? Je vais me cacher derrière ici. Ouh, mon senpai. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit senpai? Ah, ça, c'était le faux senpai, ça. Le Budo senpai. Et notre vrai senpai devrait débarquer bientôt. Oh, vous avez vu, il est vert. What the fuck? Très bizarre, ça. Attendez, je vais lui parler et je vais lui demander un truc vite fait. Je vais lui demander de distraire Kokona pour voir ce que ça fait. Ou le Budo senpai. Attendez, ça va être énorme. Ça tombe, ça va créer un bug. Ah non, on peut pas. Merde, je peux pas. Tant pis, je vais essayer de prendre une photo de Kokona. Du coup, je vais essayer à Kokona. Oh, il a des petits cœurs. Oh, c'est énorme. Vous avez vu, voir un senpai avec des petits cœurs, c'est ouf. Kokona, bah, son casier n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même, de toute façon. J'aimerais bien prendre une photo de toi, Kokona. Voilà, tu fais ta petite pause. Ok, je prends une photo de Kokona. J'enregistre ces informations. Ok.
Et où est-ce qu'il... Ah, mon senpai est là. Je vais lui parler et je vais demander de distraire notre petite Kokona. J'espère qu'il y a moyen. Ah, il y a moyen. Génial. Regardez, distract. Énorme. Alors, c'est ce qu'on voudrait pas voir, un senpai et Kokona qui parlent entre eux. Regardez, c'est excellent. Génial. Attendez, je prends une petite photo quand même. Ah, c'est ouf. Ça fait trop bizarre de voir senpai avoir des réactions comme les élèves normaux. C'est génial ce mode. Je sauvegarde la photo. Voilà, il est en train de distraire Kokona. On sait pas tout ça, mais hop, j'avais mon propre rendez-vous avec lui. Il m'a demandé de me suivre. Voilà, il est amoureux de moi. Il a des petits cœurs et tout. Genre, il me met un vent. De quoi t'es sorry, toi? Tu fais le Justin Bieber là? Vas-y, je te bute comme ça. Voilà, y'a quoi maintenant? Et allez, pour le plaisir, je vais aller l'incinérer un peu pour voir s'il y a un bug qui va se faire ou pas. Mais normalement, je pense que non, vu que c'est censé être Budo. Ah merde, y'a les délinquants, j'avais oublié. Broyeur n'était pas encore existant à cette époque là. Et non, il y avait pas de broyeur à cette époque là. Je vais le montrer au vrai senpai, peut-être qu'il va apprécier. De toute façon, il est juste là. Ouh, senpai, est-ce que tu me chopes ou pas? Il s'en bat les reins en fait, il s'en fout. Vous avez vu, y a pas de game over qui se fait, il me chope même pas. Regarde, senpai, j'ai tué quelqu'un, il s'en bat les reins. Hein. C'est un truc de fou ça. Allez, t'es pas drôle, senpai là, putain. Pas drôle, senpai là. Oh, j'ai envie de tester un truc, les amis. J'ai envie de tester un truc de ouf. Normalement, quand on active le mode titan, senpai lui, c'est pas un titan. Est-ce que là, il va devenir un titan? Un titan senpai? Oh, ouais, ça va juste être ouf. Attendre que les élèves arrivent là. Si on voit un titan senpai, ça, ce serait vraiment une première. Ce serait juste un truc de fou, ça. Je vais activer le mode titan vite fait. Oh oui, c'est un titan. Attendez, il faut que j'aille le voir. Où est-ce que tu es, mon senpai titan? Où est-ce que tu es? Oh, il est là, je crois. C'est lui, je crois, mais j'arrive pas à le voir là avec tous les élèves qu'il y a. C'est relou ça. Tous les membres du club occulte, ça. What the fuck? Vous avez vu tous les cheveux de la même couleur là? C'est super, what the fuck? C'est quoi cette position bizarre? C'était comme ça le mode titan avant? Ils se mettaient tous comme ça collés? Ah, il se déplace. Ah, mon senpai est là. Mais c'est énorme, putain. On voit un senpai en titan. Regardez, merde, je vois rien là. Oh, je peux prendre une bonne photo maintenant. Il s'est retourné. Et voilà. Oh, génial. On voit un senpai en titan, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que le mode permettait de modéliser un senpai en titan. C'est juste incroyable, ce mode est génial. Première fois que je pense, les amis, que vous verrez un senpai en titan. Rappelez-vous, senpai, il devient pas titan quand on met le mode. Du coup, c'est incroyable, c'est génial. Je vais essayer de le tuer, tiens. Oh, je prends un couteau et je vais le tuer, voilà. Voilà, je le tue, sa gueule. Je vais aller le voir, bien évidemment. Où est-ce qu'il est tombé? Il est là, regardez sa tête qui bug. Alors, senpai, il y a un petit problème là, non? Et n'empêche, les amis, pour ceux qui aiment bien attaquer des titans, je croyais pas qu'il a des airs comme ça de Eren. Eren, c'est le héros d'Attack on Titan. Franchement, c'est énorme. Ah, il est plutôt sympa en titan, senpai. Bon, là, il est en train de dormir, tout à fait normal. C'est génial. Tant que sa tête elle bug, je vais essayer de le démembrer. Tiens, vas-y, vas-y, on va essayer ça. Ah, on pouvait déjà se téléporter à la salle de musique et il y avait déjà la petite scie. Génial, ça. Ça m'invitera de faire du chemin pour rien. Ah, la petite tête de senpai. Enfin, la petite. Pas vraiment petite, mais bon. Mais là, je trouve. Ah, il est là, c'est bon. Il a complètement bugué, là, senpai. Il s'est sorti du sol, je sais pas, c'est bizarre. Attendez, il faut que j'arrive à la voir. Mec, il y a une prof qui est là. Merde, j'ai failli l'attaquer en plus. Je suis sûr que c'est la prof qui l'a fait bugger. Je veux le démembrer, ce serait ouf. J'ai peur de buter en fait. What the fuck, il bug complètement. Regardez, c'est quoi cette gueule? Énorme. Ils vont me choper? Ah, elle bouge pas pourtant. J'ai fait bugger. Ah non, non, non. Ah non, elle m'a chopé. Putain, l'enfoiré de merde. Merde, je vais essayer de faire un bébé titan senpai. Ça va être marrant. Le mode squelette, par contre, y a pas moyen parce que c'est que les filles qui deviennent des squelettes et pas les garçons. Mais ce qu'on a vu là avec le mode titan, moi je trouve ça juste incroyable. Je suis refait. Encore que j'ai eu cette petite idée qui m'est venue. Attendez, qu'est-ce que j'ai pas encore essayé? Ça, j'ai pas encore essayé. Je vais attendre que le petit senpai arrive. Ah, le voilà, mon senpai. Ah, attends, viens ici, mon senpai. Voilà. À ce favor. Follow me. Ok, ok. Allez, viens, mon petit senpai. Je sors l'arme. Et poum! Voilà, je bute comme ça, senpai. Et je vais maintenant activer le mode titan. Alors, mode titan. Énorme, ça fait un bébé senpai titan. Regardez. Hop là, je vais le prendre. Ah, je kiffe grave là, putain, c'est génial. J'espère que vous aimez aussi, les amis, là, ce qu'on est en train de voir, mais c'est juste incroyable, vraiment. Chercher la scie, je vais le démembrer, tiens. J'ouvre la cabane et je prends ma petite scie. Normalement, ses membres vont redevenir normaux. Je dis pas de bêtises, c'était comme ça à l'époque, ça l'est toujours maintenant d'ailleurs. Et je vais le démembrer et on va voir justement ce qui va se passer. Normalement, il y aura pas de bug. Non, ses membres sont redevenus normaux, comme je vous l'avais dit. Par contre, ses yeux sont toujours chelous. Génial. Je vais aller offrir sa tête au vrai senpai. Car senpai, est-ce que j'ai pour toi une belle tête? Ok. Budo senpai, je sais pas ce qu'il fait. Il a tourné en rond un petit peu là, comme le vrai senpai normalement. Bah voilà, vous pouvez constater qu'il ne se transforme pas en titan lui. Je vais essayer une chose par contre. Première fois je vais tuer senpai avec le mode One Punch Man parce que je pense pas qu'il y avait moyen, qu'il faut être à une très courte distance et comme il y avait la lumière de senpai on pouvait pas le buter avec le One Punch mode. Du coup je vais essayer, hop là, je vais regarder ça. Ah, vous avez vu les yeux, c'est magnifique, on dirait l'œil de Sauron dans Seigneur des Anneaux mais en plus rouge. Ah, c'est génial, vraiment c'est énorme. Il est là notre petit senpai, on va le dégager bien loin. Regardez, c'est parti, hop et boum. Merde, je l'ai dégagé en dehors de l'école, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave, je voulais juste essayer ça. Je vais essayer une chose aussi. Ah, ça veut dire qu'il y a moyen de foutre à poil senpai. Maintenant, on peut lui parler, du coup, ça va être super facile de le foutre à poil. Ça va certainement créer un bug, je sais pas. On va essayer ça, de toute façon, on va attendre que Kokona arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller sur le toit. Je vais prendre le petit seau et je vais remplir, voilà.
Je vais le laisser ici. Longtemps que j'ai pu arroser de cette manière-là. Oh là là, ça fait un bail. Je vais redescendre en bas. Attendez, je vais déjà lui demander de me suivre, lui. Voilà, follow me. Ça fait trop bizarre de voir Senpai avec des cœurs, sérieux. Maintenant, je vais attendre que Kokona se ramène. Ça va être épique. Vraiment, ça va être épique. Regardez-le, il est complètement in love de moi. C'est incroyable. Un jour, je suis sûr qu'on pourra voir ça. Mais avec le vrai Senpai, ce serait juste un truc de malade. Regardez, il est amoureux de nous, quoi. J'espère vraiment que vous êtes en train de kiffer. Déjà le positionner correctement. Je pense que normalement, ici, il sera bien. Voilà, comme ça c'est parfait. Ça il sera super bien placé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Kokona. Elle devrait pas tarder à arriver de toute façon. Voilà, elle est là, elle est là. Je me téléporte, le saut, c'est parti. Les arrose tous les deux. Regardez ça, ça va être épique. Regardez, attendez. Bon, oui, je les ai arrosés tous les deux. Attendez, il faut que j'aille voir. Vite, 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 vite. Oh, ils sont déjà partis. Regardez, il est gris. Il est complètement gris. Plein de cœurs qui volent aussi dans les airs. C'est énorme. Je sais pas si vous les voyez de temps en temps. Ah, même là, ils ont disparu maintenant. Ils sont tous les deux gris. What the fuck? Qu'est-ce qu'il va faire alors, lui, le senpai là? What the fuck? Pourquoi il revient en arrière? Attendez, ils sont complètement buggés là. Ce qui est bizarre, c'est que Kokona est grise aussi. Il va rester là comme un con, j'imagine. Faut quand même que je fasse une photo de lui. C'est épique. Il fait grave flipper. On dirait un fantôme, putain. Vas-y, je sauvegarde. Énorme, j'adore. C'est pour ça que j'adore les modes, tout simplement, parce qu'on peut voir des choses super. What the fuck, c'est excellent. Je suis très content que vous adorez à chaque fois les hors-séries, ça me fait super plaisir. Ça me permet un petit peu des fois de pouvoir me lâcher et de tester des choses et tout ça grâce à des mods. J'adore les mods. Bon bah Kokona elle est en train de se laver et Senpai bah il reste là comme un abruti. Elle est plus grise maintenant Kokona, what? J'imagine qu'il va rien faire, hein, ça me paraît logique. Kokona a fini de se laver. Non, 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 lui il reste là, il fait rien du tout. Essaye de le tuer comme ça, tiens. Oh non, je vais activer le mode titan, qu'est-ce que ça va faire? Putain, j'ai de ces idées de fou, moi, en ce moment. J'active le mode titan. Oh, c'est un titan gris. Il faut que j'aille voir ça. Il est là-bas, regardez. C'est un titan gris. What the fuck? Merde, il faut que j'aille mieux le voir là. Il faut que j'aille en bas. Excellent. On dirait une statue, le senpai là. What the fuck? Il bouge pas. Je vais aller chercher la scie. Hop, debug menu, alt. Et je prends la petite scie. Il est toujours là, senpai. Hein, tout à fait normal. J'essaie d'aller le tuer, même si je pense pas que je vais y arriver. Ah, on a juste son gros pied là. Comment faire en sorte qu'il bouge de là? Il y a bien un moment donné où il va se casser, non? Là, il a complètement frisé en fait. Une idée. Je vais aller faire mes cours et normalement, il devrait bouger. Je vais aller faire une heure de cours. Logiquement, il devrait avoir bougé. Par contre, est-ce qu'il va rester en titan gris? Je ne sais pas, je l'espère. Senpai, c'est le seul titan gris, du coup, il doit pas être très compliqué à voir, à repérer plutôt. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi il y a des titans qui ont des chaussures et pourquoi il y en a qui en ont pas. Ah, il a bien disparu, hein, du coup, je vais aller voir sur le toit. Alors, mon petit senpai gris, où est-ce qu'il est? Senpai, où es-tu? Je le vois pas. Pourquoi? Oh, regardez, c'est quoi ça? Il a l'air d'être dans Midori là. What the fuck? Bizarre quand je dis ça. Il est dans Midori. Attendez, c'est quoi cette tête? What the fuck? C'est quoi ça? Bah, arrêtez, c'est quoi cette connerie? C'est censé être senpai ça? J'avais su que ça ferait ce bug là. Ça doit être lui apparemment. Hein. On dirait, ouais, une tête volante. C'est trop chelou. Il y a même pas son visage. Il y a juste ses cheveux. Ça rend vraiment un effet dégueulasse. Hein. Vidéo encore bien. What the fuck celle-là? J'espère que vous kiffez. Qu'est-ce qui leur arrive là? C'est de faire la tour Eiffel ou quoi? Ils sont fous ceux-là. Activer la fin de la journée pour voir si les choses ont changé ou pas. Ah ah, sa tête n'est plus là. Alors, c'est qu'il a encore bougé. Ah bah voilà. What the fuck? Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Mais c'est immonde, putain. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette vidéo? What the fuck? C'est incroyable. Incroyable ce qu'on peut faire avec les mods. C'est juste excellent. Regardez, il est sa tête qui vole là, tranquillement. Oh voilà. Oh, c'est quoi ça? On dirait un monstre. On dirait un Pokémon, je sais pas quoi. Le frère de Fantominus, mon gars. C'est quoi cette tête énorme, sérieux? Et bah, les amis, c'est sur cette image qu'on va se laisser. Adorez cette vidéo. Vous savez quoi? On va viser les 1000 likes pour cette super vidéo parce qu'elle est vraiment très. Très très what the fuck, moi j'ai adoré, j'espère que vous avez adoré aussi. Désolé si j'étais moins énergique tout simplement parce que je suis encore un petit peu fatigué, mais j'ai juste adoré. Je continuerai d'apprécier les mods, j'espère que vous appréciez les mods aussi. Moi je kiffe, s'il y avait tellement plein de mods, j'adorerais ça tout simplement parce qu'on pourrait voir plein de choses. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis. Sur ce les amis, je vous dis prenez soin de vous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, les 1000 likes si c'est possible les amis, je suis sûr qu'on en est capable, on l'a déjà fait. Prenez soin de vous, portez-vous bien et ciao ciao ma Fruit Family.